Donc, des centres qui apportent des services spécifiques aux, aux fédérations. Là, on va rentrer plus précisément dans ce qu'on appelle euh, les centres et non pas les, les, les CREPS, des centres peut-être un peu plus euh, euh, axés sur une discipline. Et on va voir avec vous ce que euh, le label Grand INSEP peut, euh, peut apporter à vos différentes euh, entités. On, on va commencer avec vous, monsieur Lederhoff. Euh, on va passer d'abord. Quelques euh, éléments visuels pour bien comprendre euh, ce qu'est cette, ce qu cette école nationale de voile et, 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 des, et des sports nautiques. En, en quelques mots, Jean-Yves Le Derof, déjà présentez-nous là en, en termes d'effectifs. On se souvient, bien sûr, vous les avez mis, euh, euh, et c'est bien normal, en, en, exergue, en exergue Charline Picon, Camille de France, Hélène de enfin tous les médaillés des, des JO, et la voile est un sport qui ramène euh, régulièrement des, des médailles euh, d'Olympiade en Olympiade. Comment fonctionne euh, votre école à Saint-Pierre euh, et Quibon Bien, bonjour à tous. Donc euh, l'école nationale de voile et sports nautiques, c'est un établissement public euh, national, euh, dernier mot, euh, et donc euh, qui date de, des années 70. Ça fait 46 ans qu'elle fait la même chose. Il y a juste les mots qui changent. Ah, on y revient. Donc là maintenant pour rentrer dans le concret, euh, euh, je m'associe donc avec la Fédération française de voile pour euh, expliquer, en tant que rapporteur, euh, les trois médailles de... qui ont été obtenues à Rio, donc une, do... une or de... de bronze et la médaille d'or euh, voile aux Jeux paralympiques. Donc deux fédérations. Et donc, euh, comment euh, l'École nationale s'est associée à ces deux fédérations pour apporter son soutien à la préparation de l'équipe de France. Donc, j'ai choisi deux thèmes principaux qui sont, pour la performance sportive, voile, désolé pour ceux qui ne connaissent pas bien, hein. <laughs> c'est euh, l'étude du plan d'eau des JO, parce qu'en voile, euh, il faut savoir où on va. Ce n'est pas euh, le chemin le plus court euh, qui est le plus rapide. Donc, il y a toute un, une somme euh, de paramètres à prendre en compte euh, pour trouver le bon chemin. Et le deuxième point que je vais aborder, c'est la préparation du matériel. C'est savoir euh, très simplement que pour performer en voile, il est, euh, disons, plus facile quand on a un bateau qui va vite. Donc, on est intelligent quand on va vite. Donc ça demande une préparation technologique. Donc sur le premier point, il euh, y a un groupe de travail, une cellule euh, initiée par le DTN, qui s'adressait euh, depuis déjà quelques années à un ingénieur sous couvert de son directeur pour créer la cellule d'études de, de plan d'eau. Donc il y a un certain nombre de... De personnes déjà, de compétences qui s'associent pour faire une campagne de, de mesures. Et là, on n'attend pas les décisions politiques pour le faire, puisque pour, pour Tokyo, le travail est déjà en cours. Et, mais pour Rio, ça a quatre ans de, de travail qui correspond à, à des compétences d'ingénieurs qui va s'associer avec, je cite, L'École nationale, l'Enstad de Bretagne, par rapport à l'architecture, ça, c'est pour... Je me trompe de, de thème. Ils il s'associent avec Actimar par rapport au courant, à Meteodyme par rapport aux effets de site, et Adrena par rapport à, à la prise de décision. Donc, ils s'associent avec des, des entreprises privées, d'autres compétences privées. On s'associe avec euh, les entraîneurs nationaux, les coureurs, qui sont forcément les, les meilleurs testeurs. Pour faire des campagnes de mesure et de savoir euh, qu'est-ce qui se passe au plan des jeux en termes de courant, de vent, de vagues, pour euh, aider le coureur tout simplement à tirer le bon bord. Euh, donc voilà, ça demande. Euh, c'est extrêmement chronophage euh, et c'est confidentiel, puisque. Au nom de... Parce qu'il est, il est préférable de garder les éléments. Euh, trouver euh, pour euh, éviter que la, la concurrence euh, s'en euh, en, part, en, hein. en part. mais je vous rassure, tout le monde fait pareil. <rire> <rire> euh, donc voilà. Ça, ça, alors, euh, ce qui veut dire que Décrivez nous le... peut-être, Monsieur Le euh, cet élément visuel. On, on voit 2013-2016, quatre ans de travaux. Vous l'avez là, hein, de, 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 devant vous, c'est ces euh, euh, différentes phases. Euh, euh, qu'il faut s'approprier. C'est comme ça qu'on pourrait le résumer, en fait. Bah on, en fait, une, des campagnes de mesure qui sont réalisées par, euh, par des vedettes météo, par des, des, des spécialistes, comme l'ingénieur de, de l'UNV, qui se déplacent sur site plusieurs fois. Ensuite, ils, ils modélisent euh, l'ensemble des paramètres, que ce soit, comme je l'ai dit, le vent, le courant. Mais euh, ensuite, il y a la vérification euh, par... Euh, toujours par les essais-erreurs des coureurs sur le plan d'eau. Et donc, il y a un retour entre euh, ce que ressent le, ce que ressent le, le coureur lorsqu'il a eu un certain nombre d'éléments apportés par les, les, la modélisation pour euh, confirmer ou pas euh, la pertinence euh, des éléments euh, qui sont à sa disposition. Donc, il y a forcément un échange entre le scientifique, les études et... Euh, et la performance, c'est-à-dire euh, le coureur qui confirme ou pas. Donc ça, c'est très important, que ce soit sous l'étude de plan d'eau ou même sous l'étude du, du, du matériel. Le meilleur euh, test capteur, c'est bien, bien le sportif sur son, euh, sur son engin, puisqu'en voit il y a, y, a y a un engin. Donc vo voilà le, le style de, de, comment, de, de modèle euh, et de, de collaboration que fait l'école nationale de voile avec la Fédération française de voile. Alors, ce, ce travail il a été euh, profitable aussi à la fédération euh, Handisport pour la voile. Donc, il y a Jean-Jacques Dubois là qui, qui, euh, qui est présent dans la salle, qui accompagnait euh, l'équipe de France euh, Paralympique. Donc, euh, tout ce, ce travail sur de plans d'eau a, euh, a été transféré à la, aux coureurs qui ont participé aux Jeux Paralympiques. Sur, euh, sur le matériel, étude de, de, de matériel. Maintenant, autre point important, c'est que L'établissement s'est équipé d'un outil de mesure très précis qui permet de, de mesurer les formes de coque, la mécanique des, des, du matériel, le mât, les voiles, et donc tout ça c'est aussi numérisé, et ce qui permet en fait de comparer le matériel des sportifs pour choisir le meilleur matériel pour performer. Donc ça c'est une une première étape de, de caractérisation euh, du matériel et tout, tout le matériel de l'équipe de France est passé à l'UNV pour euh, en début d'Olympiade pour être mesuré. Et ce qui permet, pour euh, donner des, des, des exemples très concrets, de, de pouvoir euh, préparer euh, le matériel. Alors ça se joue à quelques millimètres, hein, des fois euh, cette affaire-là, parce que le plus haut niveau, euh, c'est pour faire la différence, euh, c'est vraiment euh, c'est difficile, donc ça se joue à peu de choses. Et euh, par exemple, le catamaran olympique, euh, qui ont été quatre fois champions du monde, euh, ils ont eu euh, le matériel qui a été euh, diagnostiqué, mesuré, et ensuite comprendre, euh, comprendre comment euh, améliorer sa performance. Et ça se joue sur le calage euh, euh, des dérives, sur euh, l'incidence euh, des appendices, euh, par exemple, ou pour une planche à voile, le choix d'un aileron, puisque la planche à voile est fournie au JO. Mais l'aileron est, est, est libre, donc le choix de l'aileron. Ben, le choix de l'aileron, été euh, Il y a eu un gabarit qui a été, qui a été euh, créé pour pouvoir, euh, sur place, choisir le bon aileron. L'aileron qui, qui, euh, qui va plus vite. Par Dans raison. tout ce que vous expliquez, euh, Monsieur Ledoroff, euh, <laughs> on voit bien l'aspect très technique, très euh, technologique, pointu. Euh, le fait d'être affilié au Grand INSEP euh, change quoi dans la vision globale ben, L'établissement euh, est dans le réseau euh, depuis déjà quelques années. Euh, L'intérêt du, du Grand INSEP, euh, c'est de, de montrer qu'il est nécessaire de s'associer pour euh, réussir. Et donc le cahier des charges par rapport au label permet euh, de. Vérifier si on remplit les conditions d'accueil, d'accompagnement, euh, c'est l'intérêt. Donc là, euh, pour nous, École euh, nationale de voile, on est en une situation très particulière, puisqu'on n'a pas de pôle, ou très peu, et on n'a que des coureurs de passage. Euh, alors si je parle de la Bretagne, on peut estimer aussi, on peut vérifier que sur la Bretagne, il n'y a que deux pôles espoirs qui sont rattachés un établissement que est le, le campus port Bretagne, toutes les autres structures de haut niveau euh, sont hors établissement. Donc Quand on vous dites de, de passage, monsieur Ludorov, c'est euh, un passage euh, plutôt euh, court, plutôt de, de durée moyenne bah, En fait, le directeur de l'établissement, il souhaiterait que le passage soit le plus long possible. Et en l'occurrence, <laughs> en l'occurrence. <laughs> en l'occurrence, euh, on tend vers euh, une modification euh, du... Euh, de la façon dont euh, on va préparer l'équipe de France, que, que le DTN va préparer l'équipe de France dans les prochain de la piaze, c'est à avoir des blocs, des blocs d'entraînement, c'est-à-dire des, des stages d'entraînement. Mmh. Euh, voilà, les mots changent, mais ça revient au même. C'est du lundi au dimanche, on vient s'entraîner. Euh, voilà, sur des blocs. Donc, euh, ça demande euh, ben, euh, de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions, et on retombe sur le cahier des charges qu'on vous, qu vous a décrit. Euh, dans le label Très bien. On, on reviendra un peu plus tard vers euh, l'école nationale de voile. On va prendre un autre exemple. Euh, on va, par exemple, parler du, du, du triathlon avec vous, Gérard Honorat. Alors bon, bien sûr, on va pas vous faire l'offense de rappeler ce qu'est le triathlon, mais c'est vrai que la discipline, en, en l'occurrence, nécessite euh, le fait de fréquenter plusieurs centres pour leurs particularités, que ce soit euh, nautique, euh, cycliste ou, euh, ou pour la course. Comment quand on est euh, à la tête euh, de la fédération française de triathlon, on réussit à combiner toutes ces logiques, celle par exemple euh, de l'altitude, j'imagine qu'il faut monter un peu, euh, celle de la recherche. Comment vous vous réussissez à vous euh, euh, orienter dans cette euh, carte du Grand INSEP Alors par rapport à, à cela, je, je vais commencer un petit peu par préciser. Euh, euh, la définition qu'on a redonnée, enfin qu'on n'a pas donnée, mais disons qu'on a voulu appliquer au terme haut niveau euh, en 2008, hein, voilà plus particulièrement deux, deux Olympiades désormais, et en se disant voilà c'est la définition qu'on donne l'État français et nous on va se dire cette définition-là on va l'appliquer. Et à partir du moment où on a décidé de l'appliquer, forcément ça a eu beaucoup d'incidence sur euh, finalement le nombre de sportifs que l'on retrouvait sur liste de sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'on a décidé à partir de ce moment-là, OK, il y a un quota, ce quota est de 70 personnes par exemple, mais si nous, nous estimons que 40 nous suffisent, donc on va dire que ça va être 40. Donc on a appliqué, on va dire, cette grille de lecture hein, euh, finalement euh, à notre discipline, à notre niveau de pratique, et en se disant, en effet, il y a six médailles aux Jeux olympiques, donc euh, trois filles, trois garçons, donc euh, ça serait être dans l'illusion que d'avoir un nombre de structures qui couvrent à tout prix le territoire. On va dire, OK, c'est sympathique, hein, on va dire, sur la forme, sur le fond de jeu, mais pour autant, ça ne correspond pas à notre réalité. Donc, on est reparti finalement un petit peu, je dirais, sur cette grille de lecture. Et on a été euh, strict dans son application. Alors, je ne dis pas qu'il y a toujours eu de l'intelligence dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a proposé, mais toujours est-il que euh, voilà, on est parti peut-être aussi. Euh, du fameux, je dirais, de ce que permettait le parcours de l'excellence sportive, c'est-à-dire, ok, il y a les, euh, les centres d'entraînement euh, qui sont hébergés au sein des crêpes, euh, Donc, euh, on va continuer d'être présent au sein des crêpes, parce que ça a énormément d'importance pour nous, aménagement du temps scolaire, les soins, etc. Donc, on, on ne nie pas l'importance de tout ça, mais aussi, voilà, on parle de ces fameuses structures associées. Voilà, bah nous, on avait la possibilité d'avoir trois structures associées hein, sur chaque, chacune des deux Olympiades qui viennent se dérouler. Donc, euh, on a dit, bah voilà, il euh, y a des personnes qui veulent s'entraîner entre parenthèses chez elles, à domicile. Il y a peut-être de très bonnes raisons, et de toute façon, à un moment donné, elles vont se retrouver face aux critères de sélection. Et donc chacun, je dirais, assumera sa part de responsabilité, les entraîneurs nationaux et les entraîneurs d'épaule pour leur partie, et puis je dirais les entraîneurs locaux hein, pour la partie relationnelle qu'ils entretiennent avec ces athlètes. Donc ensuite, par rapport à ça, c'est vrai que... Il y a forcément, il y a toujours eu une histoire et une tradition, une relation, je dirais, avec l'altitude. Donc, forcément, principalement, je dirais, avec le Centre national d'entraînement à l'altitude sur Font-Romeu, et donc le Centre national aussi, enfin, hein, ski, ski nordique et moyenne montagne après maintenant. Donc, je dirais, suivant un petit peu aussi là les profils des athlètes, Puisqu'il a fallu, après, euh, justement, nous aussi, on va dire, hein, on sait qu'il y a des répondeurs favorables hein, à ce type d'entraînement. Donc, on a voulu aller, justement, dans une démarche individuelle et respecter ce qui faisait la force de chaque athlète. C'est vrai qu'on utilise, alors, sur la dernière Olympiade, on va dire jusqu'en 2012, Prémanent a été beaucoup utilisé par une athlète qui a fait les Jeux Olympiques. Je dirais moins sur la dernière Olympiade, puisqu'elle s'est arrêtée. Et on va dire, à part une duathlète, il n'y a pas eu le, le relais en, en ce sens. Euh, par contre, disons, des, des stages d'entraînement ont lieu très régulièrement, chaque année euh, à Font-Romeu, depuis. Ça, c'est pour un petit peu la partie, on va dire, altitude. Sur les aspects recherche, il se trouve, on va dire, que depuis euh, les années 2002-2004, on a toujours eu une forte relation, on va dire, avec les laboratoires de recherche au sein de l'INSEP. Et ce qui fait que ça nous a permis aussi de construire une grille hein, qui nous sert encore hein, dans tout le, je dirais, le suivi, que l'on va continuer de faire d'ailleurs encore cette année ici au sein de l'INSEP, pour euh, justement euh, évaluer correctement euh, nos athlètes. Et on sait, bon bah, nous voilà, on est au présent au jeu de, depuis 2000. Euh, on est pour l'instant, on est, on est très bon en termes de finalistes. Hein, euh, ça reste zéro médaille au niveau des Jeux Olympiques, mais une médaille, une médaille aussi au niveau des Jeux Paralympiques, hein, puisque le paratriathlon euh, est chez nous désormais pour euh, l'Olympiade qui vient de se dérouler. Merci, M. Nora On va donner la parole à Audrey Gade, justement, de la, du CNEA de, de Font-Romeu. C'est intéressant d'avoir euh, les deux points de vue. On a entendu ce que disait. Euh, monsieur Honora, Gérard Honora, sur euh, cette faculté à pouvoir profiter des, des installations de fonds romeux dont on a parlé hier, notamment sur l'altitude. Vous euh, qui dirigez ce centre-là, comment euh, se passe l'accueil des, des, des triathlètes et sur quelles euh, euh, spécificités viennent-ils chez vous L'altitude. L'altitude, euh, oui. Effectivement, on l'a dit, on est le centre national d'entraînement en altitude et c'est une donnée incomparable et qui fait qu'on est. Euh, dédié aussi à l'accompagnement de la performance de toutes les fédérations qui veulent utiliser l'altitude. Notamment l'hypoxie, hein, pour, pour être clair, on peut travailler un peu sur l'hypoxie en les euh, conchant. L'hypoxie peut sûr. être artificielle bien ou naturelle, sûr. et ouais, nous ouais. nous sommes à 1000, naturellement à 1850 mètres dans un environnement naturel exceptionnel, ce qui fait qu'effectivement vous pouvez profiter euh, d'un entraînement... Euh, en altitude, dans un milieu environnemental, euh, naturel, exceptionnel. Je partage complètement ce qui a été dit, euh, et effectivement, on va en parler, mais hypoxie artificielle et naturelle mmh. doivent et, et, et mieux se combiner aujourd'hui. C'est le travail qu'on fait dans le cadre du grand INSEP. Euh, il, il me semble qu'effectivement euh, notre rôle aujourd'hui c'est de mieux accompagner euh, dans euh, la, per, la performance des fédérations qui veulent utiliser l'altitude et, et donc le rôle d'un creps aujourd'hui c'est effectivement un, en altitude euh, d'accompagner les fédérations qui viennent aujourd'hui comme le triathlon mais qui voudraient venir ou qui sont venues et qui n'ont pas eu les résultats escomptés. L'hypoxie, qu'elle soit artificielle ou naturelle, c'est un outil au service de la performance, mais encore faut-il une expertise pour la manier. Euh, et c'est le sens du grand INSEP aujourd'hui, euh, puisque effectivement, euh, on travaille aujourd'hui à l'individualisation des répondants à l'altitude. Comme, comme l'a dit le, le triathlon, on ne répond pas tous de la même manière à telle et telle altitude. Et donc, euh, c'est tout le sens d'allier un centre comme le nôtre de préparation à, à l'INSEP et à un centre euh, notamment de recherche où les experts recherche sont, peuvent être utilisés comme ceux de Prémanon. Donc, aujourd'hui, la vocation du Grand INSEP, c'est de créer un groupe hypoxie, donc hypoxie qui mêlerait artificie, arti, hypoxie artificielle et hypoxie naturelle, pour euh, travailler sur des monitorings qui pourraient être euh, les, les mêmes utilisés dans l'ensemble des centres CREPS par exemple mais ou en tout cas les mêmes en pleine donc des données de monitoring qui permettent effectivement d'avoir des données qu'on aurait en pleine, pour ensuite voir en altitude comment les données physiologiques auraient évolué. Et donc, ça, le travail d'un grand INSEP, ou effectivement des pôles positionnés dans des crêpes en pleine, euh, qui prépareraient un stage en altitude, pour lequel on travaillerait avec les centres médicaux sur les mêmes euh, données, avec les entraîneurs euh, qui prépareraient un stage en altitude, le grand INSEP a tout son sens. Et mêlant recherche liée après Manon à, euh, à l'INSEP et notre centre, nous travaillons aujourd'hui à des données qu'on pourra avoir en commun qui permettront effectivement de mieux accompagner les fédérations autour de leurs besoins. Merci Audrey. Et oui, allez-y je finis pour Triathlon oui, et ils font Romeux. Euh, on est là pour accompagner euh, à la carte en fonction des besoins et de ce qu'ils souhaitent. Donc le centre, c'est un centre global qui permet de se nourrir euh, et on mange bien maintenant à fond de bien dormir et aussi de bien s'entraîner, y compris avec des rénovations fortes qui sont en cours. Euh, malgré tout, euh, par exemple, le triathlon ne souhaite pas être hébergé chez nous et effectivement, ils sont logés à l'extérieur, mais on va leur donner accès eh ben, au centre médical, Pourtant, à la bien. piste, euh, aux éléments. On mange bien, Gérard. On aura un. Pourquoi vous ne voulez pas manger là-bas <laughs> Ils, ils ont, les chambres sont peut-être un peu petites pour l'ensemble du matériel qu'ils utilisent. Ah, C'est <laughs> la seule difficulté. Donc euh, j'achèterai des caissons et ils viendront bientôt. Voilà. <laughs> Vous avez dit à la carte, je pense qu'on est euh, vraiment dans la problématique hein, des services spécifiques aux fédérations. Dans la salle, beaucoup de directeurs techniques nationaux. On ira les chercher tout à l'heure. Celui de l'athlétisme, celui du judo, celui du pentathlon, pour avoir euh, et connaître leur vision et leur version et leurs besoins spécifiques. Je voudrais qu'on avance un peu dans la table ronde pour que tout le monde puisse s'exprimer. On va aborder euh, un aspect qu'on n'a pas beaucoup abordé depuis euh, depuis hier et, et euh, à la limite, c'est pas normal. Il fallait bien le il faut bien l'aborder, et je suis content qu'on le fasse dans cette table ronde. C'est celui bien sûr du paralympisme. On a à chaque fois parlé des Jeux olympiques et, et paralympiques. Euh, Anne Barrois-Chambard, vous êtes la directrice adjointe du, du, du Krebs de, de Reims, qui euh, propose des structures euh, adaptées euh, au handisport. Et, 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 et je, je pense que c'est euh, bien évidemment quelque chose de, de très partagé et d'énormément su par les athlètes handisport. Alors, on est plus particulièrement sur le sport adapté. Le sport adapté dont, euh, dont on parlera tout à l'heure avec Marie-Paul euh, effectivement Des, avec Marie des équipes et, et des regroupements sur le handisport. Alors, nous, l'aventure avec le sport adapté, elle a débuté juste avant les Jeux de Londres. À l'époque, c'était dans le cadre de la réintégration des, des sportifs en sport adapté pour les, pour les jeux les Jeux paralympiques de Londres. Et en fait, euh, ce projet, il est tout simplement euh, sorti d'une rencontre, où euh, Gérard Baudray à l'époque directeur du creps de Reims et, et moi-même, nous avons rencontré Marc Truffaut, qui est le président actuel de la Fédération française de sport adapté. Et Marc voulait euh, euh, constituer une, un centre, une, une structure euh, semi-permanente pour euh, permettre à ces sportifs qui sont un petit peu euh, dispersés dans toute la France de pouvoir se, euh, se regrouper et trouver des conditions d'entraînement. Qu'on espérait optimum de toute façon, euh, pour justement préparer les Jeux. Alors pourquoi semi-permanent Parce que c'est un public assez particulier, qui sont des sportifs qui travaillent euh, dans des établissements spécialisés pour certains, enfin Marie-Paul en dira plus que moi, euh, et en, en tout cas pour lesquels à l'époque la permanence dans une structure ne semblait pas euh, adaptée. Donc en fait, euh, moi à l'époque, je ne connaissais pas hein, très sincèrement euh, la particularité de ce public. On a, on a cherché à s'informer, à se former aussi, euh, à sensibiliser l'ensemble des personnels du CREPS à la particularité de ces sportifs, parce que ce sont avant tout des sportifs, mais euh, peut-être qu'au regard de certains codes sociaux qu'ils n'ont pas, de certains comportements qu'on pourrait, euh, imaginer nous pas adapter, il nous fallait euh, sensibiliser les personnels du CREPS tout simplement pour qu'il n'y ait pas euh, d'incompréhension ou de rejet, et surtout pas de rejet par rapport à ce public-là. Donc euh, le centre, c'est la structure s'est positionnée à Reims, hein, c'est un pôle France euh, en athlétisme. On a euh, eu également depuis euh, le pôle France de football, sport adapté, et puis un pôle Espoir athlétisme qui Samon, est récemment également euh, euh, ouvert. Alors euh, on, on a développé, je pense, une certaine compétence, voire expertise, mais en même temps, elle n'est pas franchement différente, à mon sens, de l'accompagnement qu'on peut faire des autres sportifs. Effectivement, ils sont... J'aime bien le slogan de la fédération qui dit différents comme tout le monde Ben, c'est exactement le cas. Oui, ils sont différents, euh, mais finalement ils ont un projet avant tout sportif. Je pense que ce qui est déterminant dans cet accueil, c'est l'accompagnement que peut faire la fédération et les cadres techniques par rapport à, à ce public-là. Et j'en profite parce qu'Hervier Deval est dans la salle pour euh, souligner le travail qu'ils font, sans lequel nous de toute façon, on ne, on ne serait, pas, euh, on serait pas pertinent. Donc euh, notre, notre travail à nous, c'est effectivement de proposer un accompagnement sportif, comme on peut le faire pour les autres sportifs ordinaires, on va dire, euh, tout en prenant en considération effectivement leur particularité, qui est plus de l'ordre de, voilà, de, de codes sociaux, de difficultés relationnelles, ou, ou peut-être d'un cadre qu'on doit leur définir de manière plus peut-être bienveillante euh, vis-à-vis d'autres sportifs ou même des personnels. Je donne une anecdote toute simple. Hein, on a une sportive qu'on connaît bien, euh, qui s'appelle Virginie, qui, euh, avant d'aller à l'entraînement, fait le tour de tous les bureaux pour venir nous dire bonjour. Donc au bout d'un moment, alors c'est très sympathique et elle est très gentille, mais voilà, ça fait partie de son, sa personnalité. Et pour autant, euh, il y a un moment où on doit ensemble travailler dessus pour définir, parce qu'elle y perd une énergie folle, nous aussi, accessoirement. Mais en tout cas, et euh, on est là aussi avant tout pour l'aider à la performance. Très bien. Alors, on va parler dans un instant du, du sport adapté euh, plus précisément avec Marie-Paul Fernès. Je voudrais profiter de la, de la présence dans la salle de, de, de Pierrick Giraudot, euh, qui est avec nous, qui est le DTN adjoint de la Fédération française en Il est là. Euh, on va vous passer un micro, Pierrick. Et je voulais avoir, vous, votre, votre regard sur, sur ce qui a été dit et sur, là encore, ce que le grand INSEP peut euh, apporter à la Fédération française en e Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le, le réseau Grand INSEP, c'est aujourd'hui une, une réalité pour nous dans l'accompagnement à, la, à la performance paralympique. Euh, je ne vais pas faire un, un état des lieux de, euh, de l'ensemble des établissements qui s'investissent aujourd'hui sur, euh, sur les projets de perf paralympique et particulièrement des, des sportifs en e-sport. Mais euh, certains, euh, certains établissements font des. Euh, euh, des efforts euh, réels euh, comme euh, c'est le cas à, à Reims, mais il y en a bien d'autres sur euh, euh, l'accompagnement de structures ou de sportifs en, en situation de handicap qui, euh, euh, pour les uns ou les autres, nécessitent des, des adaptations euh, toutes particulières. Euh, je citerai euh, en exemple le, le Krebs de Bordeaux ou le Krebs de, de Vichy qui accueillent aujourd'hui des... Des structures reconnues dans le cadre de notre, dans notre PES, qui euh, mettent à disposition euh, de la fédération euh, des personnels sur une partie de leur temps pour la, pour la coordination de ces structures. Donc, ça, ça, ça signifie tout l'investissement que, euh, que ces établissements peuvent mettre au, au service de la performance paralympique. C'est le cas également à, à Quiberon, où, euh, où le, la, la direction du, de, de, de l'ENVSN a accepté sur la paralympia découlée de responsabiliser euh, trois cadres sur euh, un peu plus de 100 jours sur, sur le projet de PERF olympique, ce qui est quand même euh, significatif quand on sait euh, aujourd'hui la, la réalité de fonctionnement des, euh, des établissements du ministère. Et puis, il y a aussi une vraie, euh, une vraie euh, réalité d'accompagnement des projets individuels des sportifs. Sur euh, le projet Londres à Rio, nous avions... Euh, vraiment mis l'accent sur un meilleur accompagnement des sportifs en capacité de, de gagner à Rio. Pour vous donner un, un, un petit ordre d'idée, nous étions à, à 24 potentiels titres à, à Londres et, et nous n'avons réussi à, à accompagner que 8 sportifs dans la quête à, à ces titres paralympiques. Sur, sur Rio, nous étions sur un, un volume de sportifs en capacité de gagner. Euh, aux, aux alentours de 11 ou 12 athlètes et euh, les résultats de Rio nous ont permis d'accompagner 9 athlètes dans, dans la quête au, au titre paralympique. Et ces établissements euh, du réseau Grand Ticep nous ont euh, euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins fortement soutenus euh, certains de manière euh, très significative et c'est cela que je souhaiterais euh, plus particulièrement mettre en avant. Ça a été le cas par exemple de euh, de, de, du Crêpes PACA avec l'antenne d'Antip, qui a accompagné fortement euh, euh, Elodie Laurandie par une mise à disposition d'un personnel euh, sur, sur un nombre d'heures conséquent. Et puis des établissements type, euh, type INSEP également, qui euh, nous ont aidés à, à avoir accès aux installations sportives, aux, aux services de, de récupération. Euh, ce qui est certain, c'est que sur euh, l'avenir, si on se projette, euh, les, projets de les projets de performance paralympique seront partagés demain. Ils seront partagés avec les fédérations euh, euh, olympiques. C'est ce, euh, ce que le ministre a, a, a défini comme, euh, comme, euh, comme stratégie euh, à l'avenir. Et je pense que les établissements du, du réseau Grand INSEP pourront être des vrais centres de, de partage, d'échange de, de compétences entre... Euh, celles plus techniques euh, des fédérations olympiques et celles plus spécifiques euh, des, euh, des fédérations du, du champ du handicap. Et euh, au local, pour être actuellement coordinateur d'un pôle sur, sur, ta, sur le Krebs de Bordeaux, je peux vous assurer que ça se passe comme ça. Euh, quand les techniciens sont les uns euh, à côté des autres euh, à l'accompagnement du projet d'un sportif, eh bien, les... Les, les, les compétences se convergent plutôt que divergent, comme ça peut être le cas parfois sur un champ politique. Merci à vous. Alors on va euh euh, maintenant aborder la question du sport adapté. On va, on, on va commencer d'abord, avant de donner la parole à Marie-Paul Farnès, par, par un petit témoignage vidéo, si je peux juste reprendre la main. Euh, intéressant, il, il a été euh, réalisé il y a, il y a quelques temps. Et c'est euh, Yves Drapeau, qui est conseiller technique de la Fédération française de sport adapté et euh, qui est responsable du pôle France et espoir en, en tennis de table pour le sport adapté au Crêpes de Poitiers. Et, euh, écoutez ce qu'il nous, qu nous dit. Et ensuite, on en parle avec vous, euh, Marie-Paul Farnès. On, on écoute d'abord. Et nous, on est inscrit, euh, inscrit dans le cadre du CREPS, tout simplement parce que c'est notre identité ici. C'est là qu'on, depuis le début, depuis l'origine de, du haut niveau en France pour le de table, c'est au CREPS de Poitiers. Donc on y vit, les, les, les sportifs ont leurs habitudes, connaissent les personnes. Et on a une salle, la salle de Patrick Birochaud, qui nous est allouée euh, systématiquement. Tout simplement parce que le, le CREPS de Poitiers est à l'origine de notre projet, du projet sportif pour les personnes handicapées mentales et et psychologique. Et quand on a monté le tennis de table, ils nous ont accueillis ici, en nous prêtant, en nous prêtant la, la salle, et euh, tout est venu de d'autres relations entre la création de, de Pôle France, pôle, au départ c'était un pôle régional, et puis le Crêpes de Poitiers qui a dit « oui, Banco, nous, on, on vient vous accueillir ». Ça n'existait pas ailleurs en France, c'était dans les années 2007, et, euh, et maintenant c'est devenu, au départ c'était un pôle régional, c'est devenu un Pôle France, c'est Pôle Espoir. On voyait Patrice Béag très attentif à, à ce qui était dit, bien évidemment. C'est une initiative qu'il euh, qu connaît bien. Marie-Paul euh, euh, voilà, on vient d'entendre un, un conseiller technique. Il euh, y, 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 y a beaucoup d'exemples comme ça, hein, finalement, où euh, les athlètes euh, sport adaptés sont euh, totalement intégrés dans les crêpes. Tout à fait. Ou dans les autres centres, d'ailleurs. Tout à fait. Euh, ce qui est important aussi, peut-être, à savoir pour comprendre notre organisation, c'est qu'en définitive, les sportifs du sport adapté sont des personnes qui sont à la fois déficientes intellectuelles et qui, pour beaucoup, ont également des troubles psychiatriques. Et que leur organisation de vie, c'est-à-dire qu'au quotidien, ils vivent, pour la majorité d'entre eux, dans des institutions du secteur médico-social et, pour les adultes, euh, travaillent dans des établissements d'aide par le travail. Et donc pour nous quand euh, en 2009 parce que le haut niveau pour le sport adapté ça n'est que 2009 euh, quand nous avons euh, démarré la structuration du haut niveau nous n'avons pas envisagé que le projet de performance soit à nouveau un projet qu'il est entre guillemets enferme dans une institution c'est la raison pour laquelle euh, on s'est appuyé nous sur euh, le PES qu'on a lu à l'époque comme le PPF à savoir qu'il ne s'agissait pas d'avoir des structures superposées dans lesquels vivaient les sportifs, mais bien un système, un parcours qui permettait, au-delà des structures, d'avoir plutôt une structuration. Et donc, nous, on a envisagé, compte tenu des spécificités du sportif, d'avoir des stages périodiques dans les établissements, et on a choisi principalement les établissements du, du ministère des Sports, et en alternance avec des entraînements en club pôle au plus proche euh, du lieu de vie du sportif de façon à ce que le projet de performance soit à la fois euh, un projet vers le, vers le haut niveau, un projet de haut niveau, mais aussi un projet d'intégration et un projet euh, social qui pour nous était indispensable pour eux. De manière afin à ce que tout le monde puisse se côtoyer, bien évidemment. Se côtoyer, mais aussi pour eux, parce que Yves Drapeau le disait très bien, Anne l'évoquait tout à l'heure, la question des repères et des habitudes, c'est quelque chose de très important. Donc les déconnecter de leur environnement posait une difficulté. Et nous, on voyait plutôt euh, de façon pertinente le fait euh, de pouvoir proposer quelque chose dans une microstructure en alternance avec les regroupements euh, en termes euh, terme d'entraînement. Merci. On, on, on reviendra plus en détail hein, sur le sport adapté tout à l'heure avec euh, des interpellations dans la salle. Mais je voudrais qu'on qu poursuive notre découverte euh, des centres et, 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 et de tout ce que... Les besoins spécifiques des centres peuvent être euh, dire, nourris par le, le grand INSEP. Euh, beaucoup peut-être dans la salle, pour les plus âgés d'entre vous, sont passés par le bataillon de Joinville. Je ne sais pas, ça n'existe plus. Je vous signale d'ailleurs au passage un magnifique ouvrage qui est, qui est paru il y a quelques mois, qui est très très beau, avec des photos sur toute l'histoire du bataillon de Joinville. Euh, tout à l'heure je vous disais qu'Hervé Picciarello était homme en noir, il est passé homme en bleu marine, puisqu'aujourd'hui il est commissaire au sport militaire et il est à la, à la tête du Centre national des sports de défense de Fontainebleau. Vous allez nous en parler, Hervé. On va d'abord regarder, puisque vous êtes venu avec un film, euh, qui, euh, je ne sais, sais pas trop quoi en dire, qui euh, fait un peu... Un peu peur et un peu mal à la fois sur la manière dont les choses se passent au CNSD. Ça ressemble un peu à Platoon, pour ceux qui avaient vu le film à l'époque. On regarde le film et puis on en parle ensuite. Je tiens tout de suite à préciser que je n'ai pas été réformé, j'ai fait mon armée dans la police, mais il y a très très longtemps. Allez, allons-y. Full metal Jacket, non plus, hein, ça va. C'est pas euh, Hervé Pitirello, euh, le CNDS de, de Fontainebleau. Et le SNS, j'aimerais bien être le oui, ouais, ouais, je, je, je me mets à votre place. Ouais, J'étais sûr que je la ferais, celle-là. Je pense que j'aurais beaucoup d'amis. Oui, c'est vrai. Vous seriez beaucoup plus populaire. Hein. Le SNSD, le je suis fatigué, j'ai faim euh, de Fontainebleau. En, allez comment on va appeler ça, en processus de, de réflexion euh, quant au fait d'adhérer au, au Grand incep Qu'est-ce qui euh, conduit à cette réflexion et où vous en êtes de cette euh, interrogation D'abord, je voudrais préciser que ce qui a été fait là par, pour l'ensemble des athlètes ou une partie d'athlètes de l'armée de champions, vous avez eu quelques médaillés euh, qui, euh, qui participent à ce stage, euh, médaillés olympiques ou paralympiques, hein, ce, qui, ce qui montre l'esprit. Euh, les valeurs portées par les armées, est quand même valable pour les cadres hein, des fédérations, donc on peut le faire euh, de manière <laughs> adaptée, euh, sans aucun problème. Non, alors, euh, alors je voudrais d'abord préciser une chose, c'est que le bâtiment de Jouamine n'est pas mort. Non, non, bien sûr. Puisqu'il existe. Il faut savoir qu'il y a une petite période, euh, effectivement, après la, la fin de la conscription, hein, que, que nous avons tous connue, de 12 ans où il a été mis en sommeil, puisque les appels contingents ne venaient plus à Fontainebleau, et, et beaucoup... Euh, euh, sont ici aujourd'hui et ont écrit une partie de l'histoire hein, qui se retrouve dans, dans ce beau livre que vous avez cité. Mais ce bataillon aujourd'hui est sorti de, de sa torpeur grâce à l'armée de champions hein, qui est un peu l'héritier de, de ce bâton de Joinville. Donc, c'est 100 sportifs de haut niveau qui font partie de cette armée de champions, dont 15 en situation de handicap. C'est une nouveauté souhaitée par le ministre de la Défense puisque vous savez que les armées ont une, ont une question particulière pour tous leurs leur blessés. Leur blessé de guerre en particulier, là encore qu'on par le sport, fait partie maintenant des éléments de politique menés par le ministère des Sports. Euh, donc pour nous, le, cette appartenance au, au Grand INSEP est une, une suite logique, hein, parce que c'est d'abord l'histoire de deux institutions. Je crois qu'il n'y a pas très loin, pas très loin d'ici la faisanderie, existait l'école nationale euh, militaire de, de gymnastique, euh, qui est un peu le creuset du, du sport de manière générale. Euh, évidemment, on a des, des relations institutionnelles entre l'INSEP et le CNSD depuis des années avec l'école à intermédiaire des sports. Et puis l'idée de, de s'inscrire dans cette descente continuité, c'est aussi le nouvel élan qui a été donné au site, je pense que beaucoup l'ont déjà visité, qui est tout neuf, hein, qui euh, a été rénové il y a à peine trois ans, euh, et qui est issu d'une volonté, une volonté interministérielle, à l'époque des 2004, entre Michel Anio-Marie et Jean-François Lamour, de créer un pôle... Euh, alors le terme est un peu barbare, mais civilo-militaire, qui puisse à la fois répondre aux missions des armées, qui sont à Fontainebleau de former les militaires de sport, qui sont destinés à encadrer l'ensemble des militaires au sein du, du territoire, et puis également de pouvoir accompagner et soutenir le sport de haut niveau et l'ensemble des fédérations partenaires. Donc c'est cette dualité, cette double mission, qui anime le centre aujourd'hui, qui fait en sorte que, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir intégrer ce réseau. De pouvoir répondre à son cas de charge, mais là, je n'ai pas beaucoup de doutes, mais aussi d'utiliser nos, et je crois que ça fait partie des questions qui sont posées, d'utiliser chacun nos richesses nos pour être complémentaires. Oui, tout à fait. Euh, et euh, nous, l'idée, euh, qui, qui est celle qui a été partagée, c'est à la fois euh, d'ouvrir nos structures euh, aux fédérations euh, qui le souhaiteraient, euh, puisque nous avons, euh, comme, comme tout, je tout, CREPS, euh, des installations qui permettent d'accueillir un nombre de fédérations et de disciplines sportives mais également et surtout de cibler sur certaines spécificités qui sont, nous, militaires, hein, on travaille beaucoup, et vous le comprenez pourquoi, sur des thèmes comme la gestion du stress, comme la, la dette de sommeil, la fatigue, pour lesquels nous avons une expérience depuis quelques années, parce que nous avons des unités combattantes partout dans le monde, et, euh, et sur lesquelles les fédérations aujourd'hui sont très intéressées, puisqu'elles répondent à des, à, des besoins, à des besoins opérationnels. Voilà, euh, donc ça c'est notre particularité, mais c'est également, euh, je pense, l'occasion. De mettre, de mettre en réseau pour mutualiser, optimiser euh, l'emploi de nos ressources et faire en sorte d'accompagner euh, les fédérations et les athlètes vers leur performance. Alors, le CNSD, euh, pourquoi pas à terme, euh, vous venez du milieu du foot, on a dit que vous avez dû passer des stages à, à euh, Clairefontaine, marc aussi, pourquoi pas On a, je crois, dans la salle un représentant du euh, Vélodrome euh, National de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce qu'il peut se manifester Voilà. Juste une. On va vous passer le micro si vous voulez bien, euh, 10 secondes. Est-ce que euh, ça fait partie, là encore, des réflexions euh, au niveau de la Fédération française de cyclisme pour euh, savoir si un, un centre comme le Vélodrome National, qui est, qui est un, un vrai bijou, hein, une, une, une formidable réussite, peut à terme euh, s'interroger sur une intégration au, au Grand INSEP Bonjour, oui, donc Alexandre Urbain, je suis conseiller technique national à la Fédération française de cyclisme. Alors, la Fédération n'est pas propriétaire non, du non, vélodrome, <laughs> euh, mais bien évidemment, on est dans une réflexion pour pouvoir euh, bah, intégrer le, le vélodrome et plus particulièrement le centre national euh, du cyclisme dans le, le paysage du Grand INSEP. Donc, euh, voilà, euh, c est, c est, ça permet de prendre des informations, euh, en tout cas euh, durant ces deux jours. Euh, donc, on, on est partie prenante déjà du Grand INSEP en ayant des pôles dans différents centres du réseau. Euh, maintenant, la réflexion, effectivement, c'est d'intégrer le, le vélodrome dans ce réseau, à la fois pour nos athlètes, mais également peut-être pour accueillir des athlètes d'autres fédérations. Merci à vous. Alors, on, on donnera la parole hein, au DTN, on, on l'a dit tout à l'heure, pour, pour parler des besoins spécifiques. Une série de questions qui nous sont parvenues via les réseaux et, et qui sont intéressantes parce qu'elles s'adressent finalement à chacun d'entre vous. On va commencer avec la première. Qu'en est-il de l'équipe projet sportif de haut niveau en situation de, de handicap euh, Qui peut répondre à cette question-là Gianni Alors Jenny, on va vous passer le micro. Par rapport à l'équipe projet accompagnement des sportifs euh, en situation de handicap. Donc c'est l'équipe projet qui avait démarré il y a un an et demi, deux ans, autour d'Antoine S, qui euh, bon, a, eu, a pris d'autres fonctions à l'approche des jeux de, de Rio. Donc c'est une équipe projet qui n'est pas allée complètement au bout de sa, de sa démarche. En revanche, ce qui a déjà été fait, et c'est important, et ça va me permet peut-être aussi... Si l'animateur me le permet, de répondre aussi à la deuxième question. Euh, on a déjà identifié euh, l'ensemble des ressources euh, et les matériels mobilisables dans les établissements. Donc, c'était euh, un état des lieux qui avait été, euh, qui avait été réalisé. Un guide d'accompagnement a commencé à être. Euh, euh, on va dire, euh, conceptualisé. Euh, on a essayé d'associer les, les fédérations concernées. Jean -Migny était, a fait partie d'un groupe de, de séances de travail, Marie-Paul également. On a essayé de se rapprocher, de, euh, de travailler main dans la main avec euh, Dominique Laterade et, et la MOP. Très clairement, c'est un chantier. On s'est dit, euh, voilà, euh, euh, en ce début d'Olympiade, qu'on avait euh, très clairement à, à relancer ce, ce chantier. On a encore une fois débroussaillé les choses, mais on doit aller plus loin et surtout vraiment se rapprocher au plus près des fédérations pour pouvoir répondre euh, bah voilà, de façon individualisée, ça a été souvent euh, cité depuis ce matin, aux problématiques spécifiques, qu'il qu s'agisse donc des sportifs sport adaptés ou des, des handisports. Euh, par rapport à la, justement, la deuxième question, outils pour mieux travailler ensemble, très clairement par rapport... Au, au, à la thématique du, du handicap. Donc, on utilise le portail Grand Insep, euh, qui est actif, qui est ouvert euh, à tous, et qui euh, donc permet à la fois de diffuser sur l'espace public un certain nombre d'informations euh, utiles à tous, notamment donc euh, vers les fédérations par rapport à l'offre de services euh, pour l'accompagnement de ce type de public, et sur l'espace donc euh, privatif, l'objectif est de vraiment faire vivre une communauté de référents, de professionnels susceptibles d'échanger de, euh, des informations et de, et de travailler ensemble en lien, encore une fois, avec les fédérations concernées. Merci, Gianni. Question pour vous, M. Doroff, et puis je pense qu'on pourra y répondre dans la salle. Quel lien entre l'École nationale de voile de sport nautique et le campus de Bretagne Alors, vous répondez et puis on a un représentant du campus de Bretagne qui pourra lui aussi répondre. Ce sera un dialogue intéressant. Allez-y, M. Doroff. Oui, comme ancien directeur du Campus pour Bretagne, je peux répondre aussi. Ouais. Donc là... là, vous mettez les <laughs> deux côtés de la barrière quand même. Hein. Donc là, le, le lien euh, sont tous les deux, deux deux établissements qui font partie du, du réseau euh, Grand Inset. Ça c'est le c'est le constat. C'est déjà un point commun. Euh, donc on peut imaginer que euh, ce soit le prolongement euh, de ce qu'on essaie de faire au niveau national, de le faire en Bretagne, c'est-à-dire d'associer euh, l'ensemble des acteurs euh, du sport en Bretagne euh, pour apporter la meilleure euh, réponse à la performance sportive. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Donc euh, on voit bien que ce sont deux opérateurs qui seraient au service euh, bah, du sport, donc des fédérations, en étant en lien avec euh, les collectivité qui finance la plupart du temps. Et donc on revient à la structuration euh, qu'on a évoquée toute la journée d'hier. La, la structuration, disons, à la française. Euh, mais l'idée, c'est. Et euh, là, donc vous voyez le, le, euh, la réponse que j'en fais du lien euh, ENV Campus Sport Bretagne. Alors il y, y avait une autre chose, une fois que je suis parti du, du, du Campus Port Bretagne, j'avais demandé souhaiter ardemment que l'ENDSN devienne membre du Campus Port-Bretagne pour pouvoir euh, mettre en application, si on peut dire, ce que je viens d'expliquer. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, alors que fait. le texte était travaillé par le préfet de région, par la direction régionale, par le conseil régional de Bretagne, et il y a euh, l'État, si on peut dire, qui a fait son boulot en gros, euh, au niveau national. Donc ça ne s'est fait pas, mais euh, il faut le dire à un moment donné, hein, mais euh, ça n'empêche pas de, de travailler ensemble. D'accord, bon, on va donner justement la parole à la, à la directrice du, du campus de Bretagne. Pardonnez-moi, je... Mon nom, oui, qui... Vous m'entendez Oui, on vous entendez Oui, ok. Donc Cécile Martin-Boutelier, euh, la directrice du campus Port-Bretagne qui vient d'arriver, qui a succédé en septembre à euh, Jean-Yves Lederov. Donc ça va, tu pas été trop politiquement correct, donc je vais essayer de... De parler sans filtre, c'est pour ça que je, ne, je parle peu en général. Et pour revenir, finalement, je trouve que c'est une très bonne illustration de ce que disait M. Fauquet euh, qui n'a pas forcément été compris. Alors euh, j'espère que je ne déformerai pas vos propos, vous me le redirez tout à l'heure. <laughs> euh, en fait, c'est la parfaite illustration de deux mondes pour moi qui se côtoient. Euh, moi, je suis issue des collectivités territoriales. Euh, J'ai été mise à la direction euh, du campus euh, qui est une structure profondément étatique euh, puisque c'est un ancien CREPS. Et moi, je vis le choc des cultures au quotidien. Et je pense qu'on est vraiment dans deux mondes qui se toisent. Euh, on a eu un rendez-vous avec la directrice des sports très récemment euh, pour avoir un petit peu plus de reconnaissance, puisque, une fois, on était campus, euh, structure un peu hybride, euh, groupement d'intérêt public. Parfois, on était euh, bah, une ancienne structure de l'État, donc quand même un petit peu reconnue parce que, finalement, on fait les mêmes missions. Et euh, je trouve que tout à l'heure, quand M. Fauquet disait au DTN, euh, ne, faites pas, ne, dites pas, ne vous positionnez pas en sachant, euh, en disant il faut faire, euh, donner des injonctions pour faire telle chose, euh, pour mettre en place le sport de haut niveau, mais construisez à côté d'eux, en expertise, parce que c'est comme ça qu'on travaille finalement à l'échelle locale. Euh, c'est vrai que moi, pour le connaître au quotidien, j'ai deux, trois exemples qui sont assez drôles, puisque. Euh, je travaille avec des fonctionnaires d'État, hein, sans aucun, puisqu'il y en a beaucoup qui sont passionnés, et de toute façon, on se rejoint sur la vocation du sport, mais on a deux cultures différentes, c'est-à-dire que a d'un côté l'État qui répond à des, à des injonctions, des directives d'État, hein, c'est la logique jacobine, et puis on a les collectivités. Je caricature un peu, mais c'est pour être assez clair dans mon propos. Où moi j'ai un élu clairement qui est élu régional et qui me dit mais moi j'ai pas d'injonction à donner moi j'ai besoin des agents qui soient État ou pas d'ailleurs hein, mais des experts du terrain des experts des experts locaux qui vont apporter leur pierre à l'édifice et qui vont moi alimenter ma réflexion pour construire ma, ma politique et c'est ce que j'ai cru entendre de Monsieur Fauquet euh, tout à l'heure alors je sais pas si c'était tout à fait dans les termes mais mais voilà. <laughs> Mais en tout cas, moi j'ai l'impression, euh, voilà, de, de ma vision euh, euh, assez néophyte en plus sur le haut niveau, hein, puisque du coup j'ai un peu cette objectivité-là en entrant dans ce nouveau monde euh, qui a en charge notamment, enfin euh, en partie le haut niveau, mais pas que, euh, qu'on on est vraiment dans, dans deux mondes et que on est en train de se rejoindre parce que quelque part, heureusement, il y a eu à un moment donné euh, les rationalisations des politiques publiques, puisque les finances se font plus maigres et qu'à un moment. Eh ben, on est obligé de travailler ensemble et je trouve que là, on est dans un passage intéressant. Euh, en tout cas, c'est vrai que même pour avoir travaillé un peu à la ville de Reims également, euh, enfin, voilà, on avait le CREPS qui était... Alors je, vais, je vais cibler trois en plus des anciens directeurs de CREPS. Non, pas du tout. Ce n'est pas une question de personne, hein. une fois de plus, c'est uniquement par rapport au système. Où en fait, on a la ville qui construit, qui essaie d'accompagner un de ces clubs sportifs avec un président, pas toujours facile, pour porter le meeting international d'athlétisme de Reims. Et puis, voilà, parce qu'il y a deux clubs qui ne s'entendent pas, et bien il y en a un qui est porté par la ville, l'autre qui est porté par le CREPS qui se fait en couvert, puisqu'on a l'installation sportive couverte d'athlétisme. Et puis à un moment donné, ben on arrive quand même à se trouver. Enfin, je sais que j'ai vu, on a fait des réunions en commun, mais ça vient seulement quoi. Alors que finalement, les collectivités, bah oui, on entend dans le discours aussi de Jean-Yves, ils sont financeurs, mais pas que. À un moment, voilà. Et on a beau parler de gouvernance partagée, mais il y a vraiment ce choc des cultures. Mais bon, c'est un héritage historique, hein. et notamment de la construction du sport en France. Donc voilà, un petit peu sûr Et je trouve que voilà, le Campus Sport Bretagne, pour revenir à la question, bah, c'est typiquement ça aujourd'hui. Il est clairement affiché euh, régional pour euh, le ministère, pour l'État pour en tout cas. Alors l'INSEP, euh, on en parle souvent avec Gianni, où lui me dit mais nous on s'en fiche, crêpes ou pas Krebs, vous êtes dans la logique euh, de la labellisation qui est, qui est très importante pour nous parce que justement aussi c'est cette reconnaissance-là. Euh, donc euh, j'espère qu'on passera bientôt l'épreuve avec euh, Brio, mais en tout cas on s'y attache. Et que le but, c'est pas évidemment de faire implanter tous les pôles sur Dinars, ce qui n'aurait aucun sens, mais que demain, sur le territoire de la Bretagne, on puisse aider les pôles qui se sont déjà implantés pour les accompagner, parce qu'effectivement, on a une expertise quand même dans notre établissement, et que demain, eh ben, on essaiera d'accompagner, même si c'est à Brest ou à Rennes ou à Quibon avec l'aide de Jean-Yves. Enfin, voilà. Et donc l'idée, c'est d'être sur le projet. Donc, c'est ce qu'on essaie de lister avec Jean-Yves pour travailler ensemble, puisque malgré nos efforts, parce que nous, on est des hommes et des femmes qui travaillons sur le terrain, hein, et qu'à un moment donné, on essaie d'être sur le projet et de faire en sorte qu'il puisse aboutir. Merci à vous. Quelque chose me dit qu'on reviendra dessus tout à l'heure lors de la, la restitution, bien évidemment. Je crois que c'est. L'un des thèmes un peu centraux et récurrents de ces 48 heures de discussion. On l'a dit, il y a pas mal de directeurs techniques nationaux dans la salle. On est sur les besoins spécifiques. Peut-être que quelques-uns d'entre eux peuvent témoigner le DTN de l'athlétisme, celui du judo, celui du, du pentathlon, sur les besoins spécifiques fournis par le Grand INSEP et par les différents centres. Qui veut, qui veut débuter Allez, il faut un, un courageux qui démarre. Patrice, à l'athlétisme. DTN adjoint. Ah, je ne suis pas DTN, donc oui, oui, je ne me sentais pas visé. <rire> <rire> euh, pour l'athlétisme, euh, les besoins spécifiques, bah, c nous avons besoin de vastes terrains. Euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut poser souci en quelques endroits. Et, et c'est vrai que dès qu'on veut développer un peu les lancers ou... Euh, euh, le sprint, on va dire, on a besoin de deux choses vraiment importantes c'est des terrains de lancers sécurisés et pour le sprint, c'est des salles couvertes. Et donc, c'est vrai que sur le territoire, il y en a peu, de, des salles couvertes associées à des établissements. On a même des zones où il n'y a rien du tout. Mais on... autant, autant je pourrais dire que la performance, enfin, ce n'est pas l'établissement qui va créer la perf, évidemment, ce sont les athlètes. Mais on a vu avec le CNSD. Euh, le développement euh, du CNSD et l'organisation qui, qui est mise en place et les infrastructures ont permis l'émergence de la haute perf euh, dans plusieurs spécialités, y compris le sprint et surtout le sprint féminin. Donc je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, il y a eu une convergence de deux choses, c'est-à-dire le développement de, de la qualité de notre pôle d'athlétisme avec le développement de la qualité des, infra des infrastructures. Donc euh, c'est vrai que là, au... Oh, oh, Autant j'étais très interrogatif avant, autant là, avec l'exemple le, du CNSD, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire, en tout cas dans la partie nord de la France. Euh, ensuite, on, on a, concernant le Grand INSEP, euh, eu le plaisir de voir la piste de Boulouris, qui a été enfin euh, euh, rénovée. Donc ça permet euh, à l'athlétisme, entre autres, mais pas que l'athlète, puisque le triathlon aussi, euh, est très content de, de, que ce projet ait abouti au bout de 12, 12 15 ans, je ne sais pas, il y a eu... Il y a eu beaucoup de directeurs qui se sont succédés et ça n'a pas vraiment abouti. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des infrastructures de qualité, ça nous permet à, à nous d'envisager euh, euh, d'orienter les athlètes pour avoir au moins un accompagnement de qualité de la part d'un établissement. Et c'est vrai que Watini aussi euh, s'engage dans un projet important pour l'athlète. Et, et du coup, en tant que, que fédé, on a un regard un peu différent sur Watini parce que c'est vrai qu'aller à Watini pour l'instant pour l'athlète, c'était un peu une punition. Donc euh, si dans le futur ça, sera, ça devient quelque chose d'intéressant, il bah, n'y a pas d'hésitation puisque sur place nous avons des cadres de qualité, on a des athlètes de qualité qui émergent à chaque fois mais qui ne restent pas parce que c'est vrai que euh, les conditions d'hébergement sont assez moyennes et puis les, la piste extérieure est, est assez moyenne aussi. Voilà. Donc c'est vrai que l'athlète, on a besoin de beaucoup beaucoup d'espace de, euh, et on est dans la réflexion sur d'autres activités. Euh, comme à La Réunion aussi, alors je ne sais pas si le crève de La Réunion sera labellisé euh, un jour, mais autour du trail, puisque c'est une terre de trail. Et donc euh, La Réunion peut aussi accueillir euh, des... une autre partie de l'athlétisme qui n'est pas l'athlétisme sur piste. Merci à vous. La Réunion est déjà labellisée, me dit-on. Et quand je vous ai présenté comme DTN, c'est que parfois, il faut prendre un peu d'avance. Et j'avais quelques semaines d'avance, visiblement. Euh, D'autres témoignages, peut-être Je ne sais pas. On n'a pas beaucoup entendu les gens du, du judo, du pentathlon. C'est intéressant le pentathlon parce que... Très bien. On fera le pentathlon après, c'est intéressant parce que c'est des épreuves combinées. Donc... Alors, évidemment. Pas non plus d'étern du judo. Non, non. Ça ne pas dans le responsable non plus. de la direction technique voilà, nationale. Allez, les besoins spécifiques pour une fédération euh, comme la vôtre euh, Déjà, vous dire qu que le judo, on est quand même très heureux dans le, dans le petit INSEP, le, le tout petit INSEP, voilà. avant, avant d'aller dans le grand. Et, euh, et effectivement, euh, par contre, euh, c'est vrai que, comme d'autres qui font l'actualité en ce moment, euh, on, on apprécie de travailler en famille pour, pour, pour trouver de la, de la confiance. En tout un état en respectueux des, des deniers publics. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup sur nos habitudes de travail à l'INSEP. On était aussi beaucoup sur, sur nos pôles France, à Bordeaux, à Strasbourg, des établissements publics dans lesquels on souhaite perdurer notre, notre collaboration. Mais c'est vrai qu'on avait aussi une habitude de travail assez marquée avec le, avec le Krebs de Boulouris et qu'on va souhaiter aussi, parce qu'on se tourne aussi, on essaye, vers un peu de, de, de modernité, qu'on va essayer de, de faire évoluer et effectivement de, de décliner sur des endroits où on n'avait pas forcément euh, l'habitude de travailler. Et je disais à, à mon voisin de gauche que si le Krebs de Bordeaux resterait au Krebs de Bordeaux, dès que le Krebs de Boitier aurait des hébergements euh, finalement euh, capables d'accueillir 150 judokas dans des conditions euh, décentes, et on organiserait des stages de formation, des stages d'entraînement aux crêpes de Poitiers, complémentaires au Pôle France de Bordeaux. Et c'est vrai que c'est dans cette complémentarité entre, entre les différents établissements qu'on pense qu'il y a à, à gagner. Cela dit, en termes de, de complémentarité de dynamique Grand incep on préférerait que, que, que l'harmonisation du Grand INSEP euh, et le désir d'excellence de l'INSEP soient partagés avant sa, sa politique tarifaire. Et c'est vrai que, que, que finalement, le, le tarif euh, est aussi un des éléments qu'on qu prend en compte, bien évidemment, dans, quand on choisit de, de partager. Et c'est vrai que, que c'est un élément qui nous amène aussi parfois, le moins souvent possible, à solliciter des établissements autres que publics pour des préparations. Et on va notamment préparer les championnats du monde à Soustan, d'une très belle région qui n'est pas un établissement public mais effectivement pour des raisons aussi de confort, d'habitude, mais aussi, il faut, faut bien de le coup. dire, de, de coût. Un élément aussi qui rejoint l'élément de coût, c'est l'élément de la, de la spécificité, de la spécialité. Euh, on considère qu'on ne va pas rechercher ailleurs ce qu'on a à l'INSEP, que ce sera difficile de faire aussi bien malgré tout qu'à l'INSEP et de faire de tout partout. Par contre, des spécialités dans l'accueil, des spécialités dans l'expertise aussi humaine. On a des expertises d'accompagnement dans certains établissements publics qu'on recherche dans la préparation physique, dans l'accompagnement. Et effectivement, c'est peut-être que les établissements, en tout cas pour l'attractivité avec le judo, malgré son, son, son archaïsme, euh, effectivement, son attractivité, c'est aussi de valoriser des éléments euh, particuliers sur l'accueil de jeunes, sur de l'hébergement, sur de l'accueil d'été, de stage. Aussi sur des prestations de formation qu'on recherche aussi beaucoup. Et on va chercher à se, à se diversifier euh, dans l'utilisation des établissements publics, à la fois sur la formation et sur des stages de, de, de préparation. Enfin, on va se, un dernier élément on va aussi se tourner vers de, de l'achat en propre de, de foncier, mais c'est plutôt sur de l'accueil de compétition, parce qu'à l'analyse, on se rend bien compte aujourd'hui encore que l'offre des établissements publics. Et la diversité des compétences qui sont présentes, elle est imbattable. Aujourd'hui, en tout cas avec nos moyens, elle est imbattable et on ne peut pas le faire en propre, comme l'ont fait des, des fédérations un peu plus puissantes. Et on va encore beaucoup s'appuyer sur les établissements publics. Merci à vous. Piccirlo, vous avez été. Euh interpellé euh, gentiment, bien, bien évidemment, par euh, la, la Fédération française d'athlétisme, c'est vrai que le, le Centre national des sports de défense euh, peut apporter, là, pour le coup, des besoins spécifiques aux, aux fédérations. C'est évident, mais, mais, mais c'est finalement en voyant votre film, en y réfléchissant, que ça apparaît euh, normal et logique. Alors, il faut savoir que depuis que le Centre est opérationnel, donc, depuis deux ans et demi, euh, il y a à peu près une quinzaine de fédérations. Euh, qui sont venus euh, goûter à l'ensemble des fonctionnalités de ce centre. Hein. Je pense que le DTN de Pentathlon on en parlera tout on à l'heure. Parlera tout à l'heure, oui. Parlera tout à l'heure. Mais, mais d'autres fédérations euh, sont venues également, euh, des fédérations partenaires pour préparer euh, les, les Jeux Olympiques euh, également. Euh, on a des pôles espoirs. Hein, je l'ai pas cité, mais ça fait partie euh, encore une fois de la tradition euh, de, de, que nous avons avec les, les fédérations et la dynamique dans laquelle nous inscrivons. Alors euh, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que à côté euh, euh, de tout l'accompagnement qu'on peut avoir traditionnel en offrant nos infrastructures sportives rénovées, hein, le centre est neuf, donc il a, il a quand même cet avantage aujourd'hui, c'est que la spécificité militaire est quand même intéressante. Moi, je dis souvent, vis-à-vis euh, -vis de, mes, de mes décideurs, c'est que les militaires sont des sportifs de haut niveau. Hein. J'ai un peu ce logo, qui est, qui est extrêmement peut-être vendeur, mais qui répond à une réalité. Hein. Nos militaires, euh, quand ils sont engagés partout dans le monde, ils doivent être prêts physiquement, hein, ils doivent être... Euh, euh, sur le plan psychologique résilient, euh, endurant, et puis euh, comme les sportifs de haut niveau, euh, le seul objectif, c'est plutôt de gagner. Donc euh, là-dessus, on se retrouve et, et on a développé maintenant depuis plus de 20 ans certains outils, notamment euh, au, niveau, euh, au niveau mental, qui permettent de gagner en résilience et en force morale. Euh, donc pour nous, c'est une nécessité, et euh, certaines fédérations ont déjà euh, collaboré avec nous. Euh, aussi bien dans, dans l'utilisation de ces techniques, mais également dans les, dans les recherches euh, que l'on fait avec, en particulier le service santé des armées, avec l'IRBA, pour lequel on essaie toujours de trouver les, les meilleurs ressorts pour améliorer la, la performance mentale de nos militaires, de, de nos athlètes. Donc là-dessus, on a un vrai savoir-faire, hein, mais qui est issu euh, de nos métiers et de nos conditions d'engagement euh, opérationnel. Merci Hervé. Euh, le patathlon puisqu'on en, en parle depuis euh, tout à l'heure, on va passer le, le, le micro. Bien sûr, il y a le tir, pas, pas simplement, il y a l'escrime, l'équitation, la natation, la course. Bien sûr, euh, fédération intéressante par rapport à cette thématique, dans la mesure où il faut combiner plusieurs épreuves. Euh, on vous donne la parole. Et on vous entend. Bien. Euh, déjà, on parle du Grand INCEP pour une petite fédération comme la nôtre. Donc, euh, Pourquoi vous êtes-vous pour... au dernier rang tout là-bas euh, Parce vous... que je suis arrivé en retard. Ah d'accord, c'est une bonne raison. Okay. <laughs> euh, on parle donc du Grand INCEP, comme je dis, pour une petite fédération. Et c'est vrai que depuis hier, et puis depuis le moment où l'ensemble de la démarche pour le Grand INCEP a été lancée, on pourrait être un petit peu perdu. Le premier point, quand on disait un levier pour le haut niveau dans les territoires, alors pour expliquer un petit peu à tout le monde, c'est que nous, notre préoccupation première pour l'instant, c'est d'implanter les pratiques dans les territoires avant de parler de haut niveau. Alors des centres qui apportent des services spécifiques, alors là, on a l'impression un petit peu que rien ne va. Alors que pour nous, le grand INCEP, il fonctionne déjà, et depuis longtemps. Les structures, elles accompagnent déjà les, prof, les, les projets de performance. Et on va dire les derniers résultats où les jeunes qui sont actuellement ici à l'INSEP sont déjà passés par ce système. Donc nous, on s'appuie uniquement sur des établissements nationaux le CREPS de Bordeaux, le CREPS de Font-Romeu et le CREPS d'Aix-en-Provence. On s'appuie pour le développement, enfin, pas pour le développement, on va dire pour euh, l'accession au haut niveau faire le tri un petit peu pour tout ce qui va monter sur l'INSEP. Voilà, c'est une, une étape importante dans la pratique. On s'appuie aussi sur euh, ces établissements pour les stages nationaux organisés pour les équipes de France. Je dirais que le, le sommet de la pyramide, c'est l'INSEP, où en plus on a l'avantage d'avoir la présence de tous les interlocuteurs concernés par le grand INSEP. La MOP actuellement, c'était la DPS avant. Le CNO même, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui à l'approche des Jeux Olympiques est un interlocuteur très très important. Jean-Luc Rouget sera avec nous pour la table ronde finale tout à l'heure. Très bien. Et tous en fait, ils apportent des services spécifiques de haut niveau. Et ils sont toujours en amélioration. Ça concerne les installations, le cadre de vie, la préparation physique, la prépa mentale, le médical, la réathlétisation. La recherche sur laquelle nous on s'est appuyé énormément, plus bien sûr l'ensemble du double projet pour les athlètes, qui sont des préoccupations pour toutes les familles de nos athlètes. Et tout ça, c'est au service de la performance. Ma préoccupation aujourd'hui, pour mettre en place le projet de performance fédéral, en termes de développement et de haut niveau, c'est qui et où sont mes interlocuteurs, qui est mon interlocuteur principal, qui me fixe les objectifs qui valide et me donne les moyens humains, financiers, pour mettre en place le projet. Et dans une réflexion plus globale, je vais simplement venir sur ce qui s'est passé dans la dernière Olympiade, parce que c'est une leçon, enfin c'est une leçon, moi je l'avais déjà vécue dans une, pas dans une autre vie, comme il disait ce matin, mais quelques années en arrière, c'est que, en fait, le, le ministère, il a fait un bilan sur la situation globale de notre fédération nous a fixé des objectifs de développement et de haut niveau, euh, dont euh, Audrey, euh, qui au premier rang, pourrait vraiment vous donner les détails, ou que Franck, euh, qui était prêt à nous accueillir, euh, pourrait aussi euh, il pourrait vous expliquer un petit peu la situation dans laquelle on se trouvait. Alors ça, ce n'est pas confortable, mais je pense que le haut niveau, en fait, c'est jamais confortable, parce que finalement, là, dans ce qu'on parle dans le grand INSEP, on parle de haut niveau. Mais ça a, été, ça a été, pour moi, sur le plan perso, un vrai levier de performance pour le haut niveau et de dynamique fédérale de ce qu'il y a eu derrière sur le, en termes de développement. Alors, on était dans les comparaisons un petit peu hier de ce qui se passait à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance de vivre une expérience en Grande-Bretagne pendant quatre ans. Donc, j'ai vécu un petit peu de l'intérieur ce qui se passait. Je dirais qu'un mot qui revient souvent, le no compromise... Est, il est toujours présent dans les, dans les collectifs de performance et c'est peut-être au travers de l'ensemble du grand INCEP d'arriver un petit peu à ce non-compromise pour l'ensemble des acteurs. Merci pour cette intervention. Euh, Patrice Béag, et puis ensuite une question intéressante qui nous permettra peut-être d'ailleurs de, de conclure cette table ronde. Patrice euh, Ducreps de, de Poitiers qui était avec nous hier sur une table ronde et qui voulait réagir. Oui, il y a un point qu'on a très peu évoqué euh, depuis hier. Euh, un point crucial quand même pour les fédérations qui sollicitent l'INSEP, qui sollicitent du coup les établissements du Grand INSEP. Euh, L'IFCE fait de même. Ce sont les programmes de recherche. Euh, passer devant les autres signifie avoir un temps d'avance. Avoir un temps d'avance, ça veut dire qu'il faut innover, trouver le petit plus qui fera qu'on sera devant, ou le petit plus qui fera qu'on sera moins en retard. Parce que on, on a aussi des programmes de recherche qu'on développe en France, qui sont développés à l'étranger depuis longtemps. Mais euh, comme tu le disais, Jean-Yves, tout à l'heure, ce n'est pas parce que les autres euh, le font qu'il ne faut pas qu'on le fasse, puisqu'on ne partage pas. Quand on fait de l'innovation, on ne partage pas. Et c'est un point crucial, il me semble, dans les réponses adaptées aux besoins des fédérations. Euh, actuellement, nous, on a un projet qui est mené de pair avec l'IFCE et euh, la Fédération française d'équitation, et deux projets d'accompagnement de, de, dans la performance euh, par le biais de l'INSEP sur les projets de recherche. Il y a d'autres établissements qui le font, qui le font très bien. Et en règle générale, quand on est sur ce type de projet, on ne le fait pas tout seul. On est accompagné par des laboratoires spécialisés du CNRS, de l'université et autres, des laboratoires de recherche qui font qu'on arrive à, à apporter une réponse adaptée à un besoin singulier d'une fédération. Voilà, c'était juste un témoignage pour dire que c'est un point crucial du développement de l'accompagnement des projets de performance fédéraux. Ça prend souvent du temps et qu'il faut qu'on arrive à se projeter. Bien longtemps en avance sur ce, qu ce dont on aurait besoin dans deux ou trois ans pour pouvoir être beaucoup plus performant et peut-être monter sur le podium des nations. Mais euh, en tout cas, il faut qu'on donne un grand coup, il me semble, dans la formilière, parce que si on n'a pas de décision politique forte aujourd'hui pour aller de l'avant. Et ben on va continuer à faire le ventre mou entre 7 et 10. Et c'est vrai que la recherche, ce n'est pas ce à quoi on pense euh, tout de suite, euh, immédiatement, en premier. C'est euh, un problème. Vous voulez réagir, M. Doroff et puis ensuite, je voudrais qu'on prenne une question pour, euh, pour conclure. Ouais, c'est ouais, ouais, par rapport à la, la recherche appliquée à la performance, ouais. pour, dans le prolongement que vient de, de décrire euh, Patrice. Oui, euh, oui, effectivement, là aussi, euh, en France, il y a une richesse incroyable euh, dans le domaine. Hein, euh, mais la commande... La commande, euh, les DTEN l'ont dit. Euh, pour préparer Tokyo, la commande devrait être maintenant. C'est-à-dire, quels sont les besoins en matière de recherche appliquée à la performance des fédérations? Donc les DTN devraient pouvoir répondre à ça. Et ensuite, comment s'organise? Donc euh, là c'est compliqué. Et là ça devient compliqué. Il euh, y a euh, des compétences, des petits labos dans les établissements euh, du Grand Insep. Il y a des labos, euh, des universités. Il y a des labos, des grandes écoles euh, supérieures. Il y a des labos dans euh, les entreprises privées qui, qui produisent du matériel euh, sportif, etc. Donc, donc là, il y a une, une richesse incroyable. Sauf qu'on est incapable, incapable, nous les Français, euh, d'y aller euh, ensemble. L'un des termes qu'on a utilisé hier matin, mais quasiment dès l'ouverture sur la première table ronde, c'était Réseau, euh, se, se connecter, échanger. Je pense qu'on est exactement dans, dans ce que vous dites. Marie-Paul Fernès, vous vouliez aussi prendre la parole Oui, simplement pour énoncer quelques spécificités et attentes spécifiques hein, du sport adapté dans sa relation avec les, les établissements du, du Grand INSEP. Comme je l'indiquais tout à l'heure, en définitive, dans la mesure où les sportifs ne sont pas hébergés à plein temps sur les établissements, euh, puisqu'ils sont sur des microstructures en club pôle en dehors de ces temps-là, malgré tout, ils ont besoin de, de repères. Euh, et en définitive, ça peut poser problème aux établissements parce qu'ils viennent à peu près une fois par mois sur les établissements et ils ont besoin malgré tout d'avoir des espaces dédiés, connus et des repères aussi bien physiques que humains. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on a pu très bien faire avec le Krebs de Reims ou avec le Krebs de Poitiers qui a une grande antériorité, c'est-à-dire avoir vraiment des espaces dédiés. Les espaces sportifs d'une part, Yves Drapeau en, en témoigner mais aussi d'autres types d'espaces, parce que dans la mesure où les sportifs ne sont pas autonomes, il y a les temps euh, qui ne sont pas des temps d'entraînement où on doit pouvoir les regrouper pour être avec eux, euh, parce qu'ils ne savent pas forcément s'organiser par eux-mêmes. Et donc, je pense que ça peut être une difficulté pour les établissements, notamment quand ils sont des gros établissements. Et, et l'INSEP, ici, rencontre cette difficulté-là avec nous. Hein, C'est la raison pour laquelle on ne va peut-être euh, probablement pas poursuivre. Euh, avec l'INSEP, parce que la taille de l'établissement n'est peut-être pas compatible avec l'adaptation euh, nécessaire euh, dont a besoin le sport adapté. D'où l'intérêt du Grand INSEP avec des centres. Euh, Absolument. À plus Donc humaine. nous, on fait déjà jouer à plein hein, le, le Grand INSEP, puisqu'on est dans une transition entre le PES et le, et le PPF, et qu'on a commencé déjà à délocaliser un certain nombre de stages dans un travail préalable avec les directeurs des établissements et ce qu'on quitte et ce qu'on rejoint, puisqu'il s'agira certainement de, de Vichy et de Bourges, mais parce que ces établissements ont la bonne dimension et la bonne réactivité pour répondre à, à ça. Une dernière question, c'est celle qui nous permettra de conclure euh, cette table ronde et, et, et peut-être même tout simplement euh, cette journée et demie de, de débat avant d'avoir la restitution finale. C'est la première question qui nous est parvenue via les réseaux. Je ne sais pas qui peut y répondre. Je ne sais pas si c'est Audrey Pierruzin ou Gianni ou Gérard. Euh, à, à vous de voir, mais à l'intéressante altitude, mer, montagne, militaire, handicap, pratique sportive, sont-ce des axes de spécialisation des centres grand INSEP Faut-il se spécialiser Qui se sent euh, Gérard Rougier Directeur de la direction, Audrey. Audrey, bah écoute, on va le faire en, en complémentaire. Oui, un avis sur cette question. Euh, bah on, on a bien vu, enfin euh, sur cette question, on a bien vu là. Juste pour dire, a, Gérard, ça, ça serait tentant peut-être. Voilà. On, on, bah, on ça sent, serait tentant. tentant. Voilà. Je pense que ça serait tentant. Ça dépend si, dans, 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 dans cette question-là, il est il, il sera entendu de dire chaque centre ferait qu'une seule chose. Je ne suis pas certain que ça soit euh, euh, la solution, mais on peut en débattre, on peut l'imaginer. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a quand même des spécificités contextuelles. Ce qui veut dire que bon, l'handicap, malheureusement euh, ou heureusement, il faut faire des choses bien, bien, bien orientées. L'altitude, la mer, on l'a vu tout à l'heure à travers... Euh, euh, le lieu de pratique, mais aussi l'altitude qui est utilisée pour monter la performance avec euh, l'hypoxie. Mais il y a aussi, enfin moi, ça va me parler à moi, il y a la montagne, ce qui veut dire que on va pas déplacer les montagnes à Paris. Euh, il faut être dans les montagnes pour pratiquer le, le sport de haut niveau. Euh, moi, j'ai vu à travers. Euh, euh, le CNSD et, et comme j'avais beaucoup d'armées de, de champions quand j'étais au ski, euh, j'ai vu la motivation d'équipe, cet engagement euh, derrière une équipe, des gens qui s'entraident et qui poussent. Je crois que ça, c'est des conditions qu'on indispensable pour aller chercher euh, des victoires, peut-être pour. Euh, euh, passer d'une un, marche à une autre, donc, euh, donc voilà. Donc est-ce que c'est est une voie Moi, je pense oui. Il faut l'étudier en tout cas, euh, parce que ça résumerait, je m'arrêterai là, ça ramènerait à l'esprit de complémentarité et, et l'esprit même du grand INSEP. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, certes, il faut travailler tous ensemble, mais en travaillant aussi ensemble, on, on peut devenir concurrent, parce qu'on peut s'étendre, s'étendre. Et donc forcément, en travaillant ensemble, il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on s'apporte les uns les autres. Euh, pour, non pas pour nous, parce que si on travaille pour nous, ça sert strictement à rien. C'est pour les sportifs, pour les entraîneurs, pour qu'à un moment donné, ce réseau soit à leur service et non pas qu'on se fasse plaisir nous-mêmes dans ce qu'on pourrait faire. Donc voilà sur, sur cette. Voilà. Donc oui, bien évidemment. Spécificité veut dire spécialisation, euh, Audrey Peruzin Ou ça serait euh, résumer euh, trop rapidement les choses Je pense que c'est évidemment une idée très séduisante. Je pense pour autant qu'elle ne se décrète pas. Euh, et que notamment si on prend l'anté pratique sportive ou discipline sportive, je, je, ça a été évoqué, je ne vois pas comment on pourrait décroté, décréter sur une carte de France euh, en spécialisant telle ou telle crêpes pour accueillir telle ou telle pratique dont on sait que peut-être une collectivité territoriale ou un environnement ne le permettrait pas. Euh, euh, L'exemple de du crêpes de Reims euh, en est un parfait exemple pour moi, c'est-à-dire c'est avant tout de, de par une rencontre, une collaboration et un contrat entre... Euh, une fédération, un établissement, un territoire, euh, et que pour que ça marche, il faut véritablement qu'il y ait une adhésion collective et partagée qui permette effectivement euh, bah, de, de parvenir euh, de près ou de loin à une forme de spécialisation. Mais par principe, ça ne se décrète pas et que si on l'affiche on sous forme de grande directive nationale, je pense qu'on a perdu d'avance. Euh, pour autant, euh, et ça, moi, je l'ai. Bon, ça fait un peu plus de six mois maintenant que je suis ici. Et j'étais persuadée, euh, au sein même de cet établissement, qu'on savait. On savait ce qu'on savait faire. On connaissait les compétences et les ressources métiers, notamment au sein de cet établissement. Et je pense que c'est une erreur. Et je pense que quelque chose dont a parlé un petit peu Gianni tout à l'heure, quand euh, il faisait un point sur l'équipe projet sur le, le sport de haut niveau et l handicap. et je l'ai entendu beaucoup ici aussi, c'est la question du faire savoir. Euh, on parle des besoins des fédérations et on part nécessairement et on doit tous partir. L'INSEP est un opérateur comme les autres, c'est un opérateur, du besoin et l'expression de besoin des fédérations. Mais les fédérations savent-elles véritablement les ressources et les compétences qui sont au sein d'INSEP et à l'intérieur du grand INSEP Et je pense que ce travail de, de diagnostic que l'on a initié, on, on, bah on a parlé à l'instant de la recherche, euh, et l'innovation technologique où, justement, euh, Jean-Yves et, et Patrick, qui sont membres du conseil scientifique euh, porté par l'établissement, ont fait ce travail de recensement au sein de l'ensemble des établissements, des compétences métiers, du matériel disponible pour pouvoir asseoir une cartographie et la faire voile, le voir, la, pardon, et la présenter auprès des fédérations. Je pense que c'est un travail qu'on n'a pas, euh, ter qu pas terminé tout court et qu'il faut véritablement consolider pour justement mieux. Adapter et construire cette spécialisation à partir déjà de ce que l'on sait faire. Merci à vous.